Il y a des jours où j'ai très peu tourné, des jours où j'allais pour tourner et j'arrivais pas à tourner. Parce que c'est des choses peut-être plus difficiles, plus intimes. Le rapport à la maladie, il y a des choses comme ça que j'ai pas pu tourner parce que j'arrivais, tout le monde était au chevet du petit-fils, il avait mal au ventre. Donc du coup j'interrompais le tournage quand même dans des moments comme ça. Mais oui, en gros, j'ai tourné ouais sur 3 mois 65 heures de rush, donc c'est un peu moins d'une heure par jour quand même. Combien d'heures de rush? 65 heures. 65 heures. Ouais. Ouais. Et j'étais tout seul. J'étais avec Abdullah qui est assistant, mon assistant avec qui je travaille, qui était un interprète d'une certaine manière et avec qui on cuisinait ensemble. Je peux dire qu'on a tourné ensemble, mais qu'il est resté sur place avec moi un tiers du temps. Donc pendant un tiers du temps, j'avais quelqu'un qui pouvait poser des questions, me traduire, et le reste du temps, j'étais seul. J'étais beaucoup seul. Mais seul avec la caméra et le son. Tu prenais l'image et le son. Oui. On reviendra après sur le son. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, c'est par rapport justement à ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est d'une part, en effet, cet effet de temps qui s'écoule, qu'on n'éprouve plus, nous, dans nos sociétés toujours prises par le temps, enfin, qu'on essaye de retrouver pour certains, mais, et puis, cette connaissance de la nature, il y a une chose particulièrement intéressante, c'est quand ils donnent à manger aux chèvres. Alors apparemment, je ne sais pas ce que c'est comme arbre qui leur donne. C'est de la garance, non? Ah là, c'est du chèvre. Elle distribue la petite bergère là qu'elle donne. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est comme essence d'arbre? C'est soit du chêne vert, soit du genévrier là. Ah, genévrier, d'accord. Mm-hmm. Okay. Et après, cette façon aussi de s'occuper des animaux, comme faisaient beaucoup les paysans auparavant. À la fois rude et en même temps très 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 affectueuse, parce que apparemment toutes les chèvres ont plus ou moins un nom et bien sûr ils connaissent toute l'histoire, le petit agneau là qui dont la mère est morte et qui les deux petits agneaux et qui les orphelins, ils appellent les orphelins. Enfin, il y a des côtés très très émouvants que tu as bien su capter, moi c'est vraiment, j'ai trouvé ça très très passionnant. Oui. Oui, comment tu filmes justement pour les animaux? Parce que ça, c'est très étonnant, ta manière de les. Je sais pas comment ça se passe concrètement. Ben moi, j'ai l'impression que tout dans ce film s'est avéré être un peu au même niveau. C'est-à-dire qu'il y avait le foyer qui était le centre, mais il y avait aussi la vallée. Ouais. Les pâturages. Ouais. Et puis tout événement qui pouvait advenir, c'est-à-dire suivre les bergers, suivre la bergère, elle n'allait pas bien loin. Je dirais que les choses, elles se sont passées au jour, c'est-à-dire que j'avais décidé des fois d'aller avec les bergers dans les hauteurs, mais ça pouvait ne pas se passer. Ils pouvaient ne pas être partis. Ouais. Quand j'arrivais, la bergère avait déjà commencé quelque chose. Donc, il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est un peu comme être sur un bateau. Oui. Qui parfois tient le cap et parfois dérive. Oui. Et alors, il faut compenser, il faut se pencher d'un côté pour pas que le bateau se retourne. J'avais l'impression que des fois de faire partie de ce bateau. Mais j'avais pas de rôle, ce n'est pas de rôle ou d'ordre des choses. Il n'y a pas d'ordre des choses. Et j'ai l'impression que tout dans ce film est au même niveau, c'est-à-dire la bergère. C'est ça. Oui. Les chèvres qui sont au même niveau tout à fait. Au même niveau que la galaxie. C'est moi, c'est ça qui m'a étonné. C'est-à-dire, j'ai l'impression
que un arbre, une personne, un animal, un rocher, je dis pas que ça a la même valeur, mais même univers. Voilà, même univers. c'est le même univers. Enfin, on sent la même chose, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. Je pense que c'est comme ça dans tous les films. Oui. Il n'y a pas de. Oui. Je sais pas. Après, quand j'avais étudié un peu il y a très longtemps l'autoportrait, j'étais très heureux de découvrir qu'on pouvait faire la photo d'un chien et qu'il pouvait s'agir de moi, quoi. Et ça m'allait très très bien. Et c'est drôle parce que nous, on était avec Ouzou. Ouzou, quand il parle de la caméra, il dit je prends la place du chien. Il dit ma caméra, c'est la place du chien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure presque quand tu disais je suis hypnotisé, je regarde les gens. Et l'observateur que tu es aurait à voir avec, pas un chien fidèle, mais comme un animal domestique. Très 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 proche et qui est presque envoûté quand tu dis par cette chaleur là qui dans laquelle il se trouve. Et c'est vrai, il utilise ce mot là Ouzou, avec une caméra qui est toujours là, qui fixe, qui ne bouge pas. Il capte les gestes, les tout petits gestes des gens, etc., même quand ils sont pas là. Moi, j'ai pensé beaucoup à Ouzou, je sais pas, c'est comme ça m'est, parce que nous on a arrêté. Oui. Parce que la caméra, elle est aussi des fois blottie, comme ça, on sent qu'elle est au fond de la maison, blottie. Effectivement, ça pourrait être un animal domestique aussi qui est là et qui observe. Et la chienne qui est là déjà. Moi aussi, je trouve qu'elle est un peu la place de la caméra. Oui. Comment elle regarde le dedans, le dehors. Après, il y a la hauteur du regard. C'est vrai que ça tient aussi du fait que j'avais dû raccourcir mon pied pour pouvoir le mettre plus bas. Ah, d'accord. Et pour qu'il soit exactement à la hauteur des regards. Parce que quand on rentre dans l'intérieur de la maison, on ne peut pas être debout parce que les gens sont assis, ils sont assis à même le sol. Donc il fallait que moi, la caméra, elle soit vraiment à la hauteur du regard, mais au niveau du sol. C'est-à-dire sur le sol, j'avais la caméra qui était ouais. Et donc cette espèce de rapport au sol fait que de temps en temps je m'allongeais, de temps en temps elle s'allongeait, elle dormait, et en fait pouvait rentrer dans la maison et sortir, les gens pouvaient rentrer et sortir et des fois ne pas me voir parce que quand on rentre on est un peu ébloui par l'extérieur et moi à l'extérieur aussi, les gens étaient en contre-jour quand ils rentraient dans la maison. Donc des fois, je faisais un peu partie du petit tapis, mais je faisais un peu partie de ces photos là. Oui. Tu n'es pas la source de la lumière. Tu n'es pas la source de la lumière. Je ne suis pas la source, mais par contre, en fait, je ne me pose jamais. Oui. S'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que je ne me pose, en tout cas sur ce film-là, je ne me suis jamais posé la question de la distance. Oui. Ni à quel endroit j'allais mettre la caméra. J'ai jamais réfléchi pour mettre la caméra nulle part. Et je crois que cette question de la lumière tient du fait que j'avais une grand-mère peintre et que qu'elle cadrait. Elle a fait du documentaire aussi, cette grand-mère que j'ai eue, qui faisait de la peinture impressionniste. Et elle pouvait observer un vélo contre un mur dans la rue et faire à sa façon du documentaire sur le passage du temps. Et moi, documenter le passage du temps, comme c'était des moments très longs où parfois il faisait chaud, parfois il faisait froid, parfois le poil fumait, parfois j'avais faim, je m'éclipsais pour aller manger, j'ai l'impression que les gens ne m'avaient pas remarqué. Ils continuaient leurs activités. En fait, j'étais dans un milieu de très grande bienveillance, mais quand j'étais rentré à la maison, on m'oubliait un peu. Tu faisais partie de la maison au point qu'on puisse t'oublier. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas une technique de, je suis pas fantomas, mais j'ai une technique d'approche où je me pose, et comme je bouge pas beaucoup, je bouge lentement. Je vais pas, comme tu dis, chercher 15 points de vue.
J'en trouve un et c'est très simple. Et puis aussi, il y avait aussi le fait que j'ai une nouvelle caméra pour moi. Et qu'il y avait une optique qui était pas complètement portable. C'est-à-dire que j'avais un équivalent photo 40 mm, qui est une focale magnifique. Oui. C'est pas un 35, c'est pas un 24 mm, c'est pas un 50, c'est un 40. Légèrement du sujet. Oui. C'est 5 mm, qui est l'objectif de reportage. Au lieu d'être à 1m20 ou à 1m, j'étais à 1m40 ou à 1m70. Oui. Et j'ai l'habitude de toujours très légèrement recadrer mon vidéo pour que l'image ait une meilleure dynamique. Et donc, du coup, ça a modifié la distance, mais quelque part, c'est un film où je ne me suis jamais posé la question de la distance. Je pense que c'est pas tant la distance qui est importante que le temps qu'il faut parce que c'est très très étonnant, parce que souvent les caméras sont très agressives, nous on oublie ça. Les gens qui ont une caméra, c'est comme s'ils avaient un fusil, c'est-à-dire c'est des prédateurs. Il y a une espèce de prédation. On veut capter, on veut chasser, on veut attraper un moment, on veut expliquer, éclairer, c'est ce qu'on dit, jeter un œil. Alors que là, c'est presque le contraire qui se passe, c'est-à-dire c'est comme si c'était quelque chose de disponible, comme un réceptacle, qui se pose là où il se pose, peu importe, mais suffisamment longtemps, suffisamment attentif, suffisamment, j'allais dire pas vide, mais disponible pour accueillir le maximum de choses, parce qu'il y a trop de choses à accueillir. C'est-à-dire quand on voit le personnage, on voit tellement de choses, effectivement, parce que il y a une disponibilité, parce que il aurait suffi de rien pour que on ne prenne que un détail, comme ça se passe souvent. Alors que là, c'est vraiment, tu mets la caméra à côté, derrière, de loin, de près, peu importe, mais de telle manière que on prend, enfin que nous arrive tellement de choses, même si le personnage ne fait rien. Cette femme là, la vieille, au début, elle te regarde. À un moment donné, c'est comme si elle t'était pas là. Au début, tout à fait au début du film, elle voit que tu es là, elle se touche un peu les cheveux, elle règle un peu ses cheveux, et elle ne fait rien, mais à chaque fois, on a l'impression qu'elle nous apporte quelque chose, quoi. Je sais pas quoi, moi, je sais pas trop, mais je pense que c'est la réceptivité, la disponibilité, le regard, enfin, un regard qui est intérieur, quoi. Elle me regarde autant que je me suis aperçu de ça, parce que je me suis dit, bon, je regarde quelqu'un, mais en fait, cette personne me regarde autant que je la regarde. C'est ça, oui. Et elle me questionne, elle m'interroge autant que je l'interroge quelque part. Et on a fini par se regarder, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben, à cet endroit-là, on s'est compris sans mots. Ouais. C'est-à-dire que j'attends les chefs, je suis avec elle, ou alors elle fait froid, elle a froid, j'ai froid, et donc du coup elle me remarque, c'est elle qui me remarque, et alors bien quoi, parce que elle est super maligne et elle met le doigt, elle me regarde autant que je la regarde, et ça je trouve ça, j'avais l'idée justement quand je parlais tout à l'heure de cette question de l'autoportrait, que je devais transparaître de cette manière dans ce film, parce que je ne pouvais pas faire un film sur la bergère, mais je devais faire un film avec elle. Ce film, ça. Ce devait être pas juste sur cette bergère ou ce foyer de berger, mais aussi avec. Et en fait, c'est une utopie de... où c'est bien trop... parler de fluidité ou parler de dépassement, c'est bien trop un mot par rapport à ce que... les gens m'intègrent, c'est pas moi qui m'intègre, c'est pas moi qui m'adapte, moi je suis inadapté, oui. Pas m'intégrer seul. Ce qu'il y a, c'est que comme tu dis, j'ai laissé, quand tu parles du vide, j'ai laissé une part de vide qui sont interrogées par le patron. Quand il faut rester. Il faut rester un peu à l'écoute de ce temps-là. Donc je deviens un peu caméléon, je salis mon pantalon, les chèvres viennent, elles bouffent mes lacets de chaussures.
je laisse le temps me mettre à l'épreuve, et au bout d'un moment, c'est ce temps-là qui m'offre. C'est cette bergère qui vient, qui me regarde autant que je la regarde, et c'est un peu le réel qui m'interroge et qui restitue. Est-ce qu'il y a eu une préparation au film, et est-ce qu'ils ont pu voir le film après? Alors, la préparation, il y a eu deux jours. Enfin, moi, j'allais passer 3 jours chez cette dame en 2001. Ah oui, d'accord. Et puis je l'ai interrogée, j'ai fait 1h30 d'entretien avec elle. Et c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que j'aille la filmer, et je suis revenu 2 ans plus tard. Mmh. Oui. Et quand j'ai fini le film en 2005, je suis retourné la voir et j'ai projeté le film là-bas. Mmh. Oui. Est-ce que ça, c'est pas, alors c'est de la psychanalyse de bas étage, excuse-moi Yvan, hein, mais on a l'impression que tu cherches à te faire adopter, qu'il t'accepte définitivement, comme si tu étais là depuis toujours. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir avec le rapport que tu as avec ce pays? Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que ce regard-là que tu as est une manière aussi de dire « je suis avec vous ». Je pense que ça fait partie des raisons inconscientes des films, c'est-à-dire... j'aurais beau dire quoi que ce soit, tout ce que je veux sur ce film, ça n'est pas le film d'abord, et ça n'est pas. Et comment expliquer les raisons inconscientes qui font que je me retrouve là-bas à filmer cette vieille dame? Je pense que c'est dans ce que tu dis entre guillemets, adoptez-moi, je suis des vôtres. Je pense que bon, déjà j'ai eu un grand-père berbère, donc je pense que c'est pas inconscient que j'y sois allé là-bas. Ou c'est pas, en tout cas, c'est pas choisi, ça s'est fait de manière inconsciente, justement. Et puis, cette bergère, tout comme ce vieil homme que j'ai filmé pendant mon premier film, La Moutagna, c'est une manière d'aller chercher des pères ou des mères spirituelles, quoi. Qui sont des... C'est eux mes mentors, en fait, si je me pose la question. Fait, c'est eux mes gardiens, c'est eux mes prédécesseurs, c'est eux mes ancêtres. Voilà, moi, pour moi, c'est évident, ça. Oui. Au-delà de la recherche, voilà, c'est, pour moi, c'est pas la question de chercher à ça. Mais c'est que c'est comme s'il y avait un apprentissage qui se faisait à leur contact. Lui, dans le cinéma et dans le regard qu'il a et de ce qu'il est, c'est-à-dire le cinéma, c'est pas, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il vit, lui, le cinéma, pas comme un métier concret, mais comme elle dit, comme Hamad dit, fait tous les métiers qu'il fait, il est fait parce que, comment dire, qui n'est pas dans une catégorie, qui n'est pas quand je dis un métier, c'est-à-dire quelque chose, c'est un besoin, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui est dans l'ordre de... Je ne sais pas comment le dire. Et moi, je trouve que sur le plan cinématographique, en tout cas ce qu'on voit, c'est comme s'il transposait ça, ce savoir-là. Et donc, du coup, il y a une lignée dont il se réclame, qui n'est pas... et qui est donc chez ses grands... chez ses ancêtres-là, Hamad et Tahmidouz. Pour moi, c'est comme s'il était le petit-fils de Tahmidouz. Oui. C'est... ontologiquement parlant, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Parce que le fait qu'il accompagne ses gestes de cette façon-là, c'est aussi une manière de les doubler presque, mais dans son domaine. Et d'ailleurs, quand il dit « je la regarde », elle me regarde, elle me regarde. Et quand il la filme pendant en train de faire la prière, il est là et il fait ce qu'elle fait à sa façon. Il est dans le truc et il le fait à leur manière à eux. Moi, je suis tout comme ça. C'est pour ça que ça me touche énormément. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de décrire ou de rapporter une image de lieu éloigné. Il y a une proximité énorme. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'ils parlent de nous. Ils ne sont pas loin pour pas montrer comment vivent les gens à la montagne dans l'Atlas. C'est pas ça. C'est comment nous vivons, comment nous pouvons vivre, comment nous aurions pu, comment tout ça, quoi. Il y a une communauté, quoi, de destinée. Je pense qu'il y a
On n'a pas les mêmes outils. C'est ça. Le Hamadi ou bien Tahmid Douche, je veux dire, c'est que les gens là-bas, un peu frappe, que j'ai essayé de leur faire. J'ai besoin de faire ça, mais j'ai besoin de garder une trace pour que ça puisse disparaître. Parce que tu es conscient que c'est quelque chose qui avait de la valeur. Et donc tu dépêches toi, mais comme si c'était acquis. C'est-à-dire, on sait que tu vas pas nous trahir, dépêche-toi. Et donc, je pense qu'au même titre que les bergers, ou en tout cas que ces familles-là, pour leur petit lopin de terre caire, ben, tu peux pas, lopin de terre en bois, c'est crime, quoi. Oui, et il y a un endroit où on s'est compris, tu sais pas, qui fait qu'il y a une confiance qui s'établit, qui permet ce climat-là, qui frappe, qui est là. Une fois, pas mal, c'est-à-dire dans le premier film, donc, t'as dit un jour, il a dit à Yvan, toi aussi t'as une galère avec ta caméra. C'est-à-dire, dans la vie dure, t'as une galère pour un cours, voilà. Oui. T'as dit qu'il y a beaucoup de travail et tout ça, et ben, il voit bien que lui, cette transposition, il a compris que c'était la même chose. Oui, c'est-à-dire, il a le même mode, quoi. Tu as le même mode de fabrication. Enfin, c'est comme si le mode que tu as choisi, de fabriquer ton film et calquer, enfin, où il double exactement sur celui dans lequel eux ils vivent, c'est-à-dire en autarcie. Tu as ta caméra, c'est toi qui prends le son, tu le fais de façon très artisanale, seul, le temps qu'il faut, de façon vitale et essentielle, dans la montagne, et en fait, tu fais la même chose qu'eux, mais comme tu dis, avec ton outil. C'est ça que j'ai trouvé impressionnant, moi. En général, un grand film, c'est ça, c'est un film qui est adéquat, il a une adéquation entre le mode de faire et la façon dont les personnages en face font les choses. Et on a le même mode économique, le même mode de vivre le temps, le même mode de regarder, le même mode d'attendre, le même mode de... C'est incroyable, quoi. De quoi demain va être fait, enfin, cette précarité-là, quoi, qui apparaît comme une richesse incroyable, parce que c'est vraiment quelque chose qui est là dans le retranchement. Oui. On retranche pour arriver à quelque chose d'essentiel, quoi. Oui. Et moi, je trouve ça incroyable parce que, comme tu disais tout à l'heure, on peut avoir tendance à multiplier, au contraire, les points de vue, les gestes, et là, non, c'est tout à fait l'inverse. Oui. C'est ça qui me paraît. Et d'ailleurs, je ne veux pas couper la parole aux autres, mais intervenez quand vous voulez, coupez-moi, il n'y a pas de problème. Mais parce que moi, la question de la montagne, par exemple, de la chèvre, la question de la montagne, je la trouve absolument essentielle dans le film. Pas seulement parce que c'est le relief. C'est parce que comment, quand il y a une montagne comme ça, on peut s'accrocher, on peut vivre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel dans ce choix-là qui revient dans les trois films. C'est-à-dire aller dans une pente comme ça, parce que souvent c'est des falaises, hein, à chaque fois c'est un gouffre, on dit, et comment les gens s'accrochent, et j'ai l'impression que c'est ça qui est important pour toi, c'est-à-dire de prendre place au flanc d'une montagne, de prendre place dans un endroit où on peut tomber dans le vide, quoi. Et ça je le vois. Alors ça se voit très bien avec la jeune fille, après quand elle donne à manger aux chèvres, qui s'accroche, qui monte, l'escalade littéralement, elle physiquement, pour brouter, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Ce qu'ils font eux, comment ils s'accrochent à cet endroit, comment ils le labourent, comment ils le travaillent, comment ils vivent, comment ils collent à cette montagne. Et j'ai l'impression que ta façon de faire, c'est pareil. Je ne sais pas si je peux... Mais peut-être qu'il y a tout ça en toi. Attends, Yvan, il y a Anita qui veut dire quelque chose, oui. Juste quelque chose de très simple, je pense que peut-être que tu as tout ça en toi, ça fait partie de toi, tu es plein pour dedans, tu as ça en toi. Je sais pas. Non, je suis né au pied de la classe, donc là, ça, malheureusement,
c'est une montagne qui à laquelle j'ai pas pu me faire, c'est-à-dire que j'ai grandi, je l'ai vu devant moi toute l'enfance. Et la classe est une montagne très attachante et en même temps suffisamment intrigante pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Mais c'est une montagne rugueuse, très âpre, très fraîche. Je pense que je me sens bien et cette question du relief, quand on va vers la montagne, bah parce qu'elle est là. Et pourquoi on y grimpe, elle est là, il n'y a pas de... Moi, j'ai l'impression que c'est essayer de trouver de la stabilité dans un lieu qui est instable. C'est ça. Tu as toujours un pied au-dessus de l'autre quand tu es dans la montagne. Il y a toujours ce... Rien n'est stable et pourtant, c'est là que moi, j'y trouve une... Un ancrage, une forme de paix, ou en tout cas un équilibre. Oui. Le jeune homme laboureur, il explique qu'il voit une analogie entre la manière dont il creuse les sillons dans la pente et le tissage. C'est ça. Oui. Ça, c'est très intéressant. Ouais. C'est ouais. Ouais. Qu'il a un regard distancié avec ce qu'il vit et ce que vivent les autres. C'est impressionnant. Hein. Mais Philippe, ce que dit le jeune homme, Yvan l'a fait avant, parce que moi je me suis interrogé sur le montage. Je me dis, il montre la femme en train de tisser, ensuite il montre son mari en train de recoudre la selle, ensuite il montre le jeune homme en train de labourer, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'agit pas simplement de décrire des situations différentes. J'ai l'impression que tu établis par ce type de montage un parallélisme fondamental entre les gestes de la mère, le geste du père, le geste du petit-fils. Et c'est la même chose, ils font la même chose en réalité. Et l'enfant et le jeune, après, il va dire ça. Il va le formaliser, oui. C'est une présentation des personnages, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Quand on s'est attaqué à ce montage... Je me suis dit que c'était bien compliqué de les présenter tous et j'avais l'idée de quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Ouais. J'avais l'idée déjà que cette femme parlait bien. En fait, elle parle pas spécialement bien. Je lui prêtais des talents de conteuse, c'est faux. J'avais l'impression qu'il y avait un équilibre de vie fabuleux dans cette montagne, alors qu'en fait, c'est vraiment hyper fragile, très précaire. Je traitais beaucoup de choses auxquelles j'ai essayé de me coller. Et c'est vrai qu'en commençant ce film, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, comment présenter ces personnages? Donc il y avait la vieille, le vieux, le fils. Et finalement, le foyer tourne un petit peu autour de... Voilà, de ces personnages-là qui sont un peu, qui sont récurrents, quoi. On va voir plusieurs fois dans le film. Oui. Donc, comment les présenter, voilà, c'était la manière peut-être la plus simple, sans vouloir faire de parallèle au départ, j'avais pas beaucoup pensé à faire un parallèle. Oui, non, quand je disais parallèle, je parle pas de montage parallèle, hein. Il y a un peu de montage parallèle, mais c'est comme si c'était le même geste, enfin, je sais pas comment te dire ça, c'est comme si c'était le même geste, en fait, qu'ils font. C'est comme si c'était la même, oui, le même geste, au sens fort du terme, quoi. Ils font la même chose, quoi. C'est incroyable, parce que c'est rare, hein, de voir un type de montage comme ça quand on passe d'un plan à un autre ou d'une séquence à une autre. On a l'impression que moi, c'est ce que je pense. C'est du panthéisme. On a l'impression qu'il y a, comme disait Hager, il y a quelque chose d'ontologique, en fait. C'est pas un geste qui suit un autre, qui s'ajoute à un autre, ou qui va résoudre un autre. C'est un geste qui dit, ou qui répète ce que l'autre geste dit, sans jamais tout à fait l'épuiser, parce que tu n'arrêtes pas à chaque fois de revenir et de saisir ce que ce geste-là dit exactement. C'est clair qu'au niveau du montage, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on s'est dit, et moi je me suis dit, pour ce film, je veux pas que ce soit la reproduction d'un film que j'ai déjà fait, dans sa forme.
Donc il s'agissait aussi d'une forme qui soit différente du premier. Et puis, les choses se succèdent les unes aux autres et ne s'ajoutent pas. C'est ça. C'était important dans le rapport au temps qu'on ne soit pas dans l'accumulation, qu'on soit dans la succession plutôt que dans l'accumulation. Mais je pense que la forme du film y fait aussi, c'est-à-dire pas de commentaires, pas d'interview. Oui, et pas de musique, parce que dans le premier, quand même, il y avait de la musique. Dans le tout premier, il y avait beaucoup de musique, alors que là, la musique, moi, c'est pour ça que je disais qu'on va parler du son, parce qu'on fait peut-être pas toujours attention, et je trouve qu'il y a une manière de cueillir le son, de tout, le son de tout, qui est une manière de capter le rythme fondamental de cet univers, quoi. La musique, elle est là, dans ce qu'on entend, à chaque fois qu'on voit quelqu'un faire quelque chose, quoi, quel que soit le geste. Et donc, on n'avait pas besoin de musique dramatique ou de commentaire musical ou quoi que ce soit. C'est le son qu'on entend à chaque fois qu'on fait quelque chose et qui nous indique, au sens, ça nous indique juste, hein, ça ne n'épuise pas, une musique fondamentale, essentielle, quoi, de cet univers. Parce qu'il y a un truc extrêmement riche dans ces vallées, c'est que le son te revient. C'est ça, oui, c'est vrai. Quand tu es au cœur de la vallée, oui. Le son qui fait, même s'il n'y a pas l'écho, il va contre la paroi. Oui. Avec la hache, oui, à la fin. Extrêmement pur et extrêmement ténu, c'est-à-dire que les sons les plus bas, comme les sons les plus forts, sont des sons précis qui correspondent à quelque chose. Quand la bergère crie, qu'elle est toute seule, à ce moment-là, il y a une chèvre, un chevreau qui s'est sûrement égaré ou qui est sur le haut de la bergerie, et puis qu'on entend comme ça... Et ce chevreau, ce qui est fascinant, c'est qu'il te donne la distance, en fait. Et donc là, tu te dis déjà, il y a un chevreau égaré ou il y a un chevreau quelque part. Et puis tu te dis, tiens, il doit être loin ou alors il est là. Et c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est des choses extrêmement petites. C'est tout d'un coup une espèce de Mais moi, ça me fascine. Ah ouais, c'est... Ça donne cette notion de la distance, de toutes petites choses qui sont un peu indicibles, quoi. Oui, oui. Mais qui sont présentes, qui meublent, en fait. C'est des petits événements, quoi. C'est l'événement. Tiens, il y a un chevreau dans les hauteurs. Tiens, il y a le vent qui fait bouger les feuilles. Tiens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des remarques, enfin, ce que vous voulez. Anne, Philippe. Moi, ce qui m'a surpris, je n'ai pas détecté qu'elle avait une si mauvaise vue. Et quand elle dit, tiens, il y a quelqu'un sur le toit, et sa fille lui dit non, c'est un animal, je ne sais plus lequel. Et ensuite, quand elle redescend du col, enfin, quand elle est rendue visite à une voisine de l'autre côté du col, elle avoue qu'elle a beaucoup de mal à se déplacer... quand elle est hors de chez elle, et ça, c'était pas immédiat de le percevoir si elle n'avait pas dit ça. Hein. On n'a pas peu vécu. On n'a pas ? On n'a pas peu vécu, elle dit à ce moment-là. Quand elle fait constater qu'elle ne voit plus très bien. Et oui. C'est la plus belle, on n'a pas peu vécu. Oui, c'est ça, c'est une réflexion sur le regard aussi. Elle est perspicace, même si elle ne voit pas bien. Exactement. Oui. Elle a des senseurs. Oui, c'est ça, elle capte des choses. C'est pas par les yeux. C'est comme la caméra. C'est pas une caméra qui jette un regard. C'est des ondes qu'elle reçoit. Et d'ailleurs, on la croit presque. Moi, je l'ai cru presque. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a un chien. L'autre, elle lui dit non, c'est un chien. Et en fait, c'est elle qui avait raison. Je sais pas pourquoi. C'est drôle, tu disais sorcière. C'est une sorcière tout à l'heure. C'est-à-dire, quand elle dit, je vois, s'il y a quelqu'un sur le toit, c'est pas un homme, hein, c'est un chien. Mais en même temps,
je sais pas, elle le dit d'une manière et tu le perçois d'une certaine manière, telle que c'est elle finalement, que, moi c'est elle que je crois, l'autre, je la trouve ridicule, la réponse de l'autre. Elle lui dit, c'est, non, non, c'est le chien. Mais écoutez, la manière de filmer la montagne, la vallée et tout ça, en faisant ressortir ce côté invisible, quoi, quelque chose qui se résume pas, voilà, à la presse. Les gens, ce qu'ils font et tout ça, mais tout ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent, ce peut-être en quoi ils croient. Ce que je trouve très beau, c'est que c'est pas dit comme ça, voilà. C'est dense, il y a une densité dans l'air, le son, l'image, tout ça, qui c'est ensemble, qui fait que c'est, bah, il y a une présence, des présences, je sais pas, imaginaires ou réelles, on sait pas, quoi. Il y a un côté quand même métaphysique aussi, moi je trouve, hein. Dans ce film et dans celui-là en particulier. Oui, vraiment, oui. C'est ça, vibre comme ça de va savoir de quoi, va savoir. Je pense que parce que c'est des gens très spirituels. Pour moi, quand on me disait oui, tu vois, eux, ils sont très musulmans, en parlant des gens du coup au coin de la rue qui vont tout le temps à la mosquée. C'est vrai, ils sont très religieux, ils sont très très. Mais pour moi, la spiritualité, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à vraiment, finalement, rencontrer Tahmid Douche et sa famille. C'est-à-dire que pendant 2 jours, je ne les vois pas prier. Mm. Et puis tout d'un coup, la prière va durer 2 heures. Quoi. C'est-à-dire que le vieux, il va se choisir un endroit au coucher du soleil sur le toit, la vieille. C'est pas une routine, quoi. La vieille, elle peut prier 2 fois, puis tout oublier, ou elle peut faire ses 5 prières d'un coup, ou elle peut. Il y a une espèce de. Comment dire. Ils font avec. Oui. Et donc, du coup. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont pas dans une culpabilité. Oui. Même s'il y a une chape de plomb de la fatalité, quand même, beaucoup. Oui. Il y a une grosse chape de plomb de la fatalité. On entend beaucoup le nom de Dieu, mais c'est. Oui. C'est ce nom de l'ancien Dieu, quoi. Oui. Oui, Haja. C'est ça, c'est un côté fondé, c'est Dieu comme une présence. C'est ça, oui. Moi, en tout cas, la scène de la fille, quand elle monte dans l'arbre, quand elle donne à manger aux chèvres, et quand elle monte dans l'arbre, c'est une scène de sainteté. C'est une... Biblique. Oui, c'est de l'iconographie religieuse païenne, quoi, panthéiste. C'est fort, et même. C'est une. C'est... Hein? Oui? Et même aussi, de toute façon, on peut dire biblique ou autre, quoi. Ce sont des scènes qui nous, justement, font penser à de grands récits. C'est ça, oui. Des choses éternelles qui durent depuis. Voilà, oui. Et que les hommes ont rapporté dans ces livres-là, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder. Mais oui, bien sûr qu'il y a des scènes bibliques. Je veux dire, quand c'est ça, tu as un peu quelque chose comme dans le Cantique des Cantiques, ou comme. Voilà, tu as des chevreaux, tu as la montagne, et ça vibre de quelque chose d'une grande simplicité. Parce que, quand même, ce sont des textes qui sont très simples quand tu vois. Et ce sont des évocations qui nous rappellent ça. Donc, c'est comme s'il retournait le truc. C'est pas on est dans la religion parce que, mais elles existent parce qu'il y a eu ce mystère-là qui a fait qu'on a. Il y a aussi que ces gestes ou ces rites, ou en tout cas, ces gestes et ces activités appartiennent à une mémoire collective. Tout à fait. Et que cette mémoire collective devient une mémoire inconsciente. C'est-à-dire que si c'est pas nous qui avons trait les chèvres, ni cardé, ni tissé la laine, c'est nos ancêtres, et quelque part, c'est quelque chose qui est hyper ancré. Oui. Vous entendez, par exemple, des chorégraphes africains qui ont beaucoup souffert, et on leur posait la question, mais pourquoi est-ce que tu refais toujours ces gestes? Mais en fait, parce que des gens qui ont beaucoup traversé les frontières, qui ont beaucoup été déplacés, transportent avec eux une part de leur histoire, et donc ne cessent d'être... que ce déplacement. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des gestes, en tout cas que moi j'ai pu filmer, et si je reste autant quelque part paralysé devant, c'est que j'ai le sentiment de les connaître déjà. Oui, voilà, tout à fait. J'ai le sentiment que j'avoisine avec quelque chose qui est inscrit dans nous, en fait. Qui est quelque part dans mon histoire collective, quoi, dans ma mémoire collective. De quelque chose que je fais ressurgir, mais qui fait partie.
ce qui est beau, c'est que c'est pas filmé non plus comme quelque chose, comme une espèce de paradis perdu ou quelque chose dont on aurait une espèce de nostalgie un peu mièvre et tout. Parce que c'est dans le présent. Oui, c'est ça. C'est le collectif qui nous fait et qui nous dit quelque chose, plus ou moins inconsciemment. C'est aller réactualiser. Il y a une activation de ça. C'est ça, moi, qui me bouleverse. C'est activé, c'est là. On le voit devant nous et il a capté. Il a réussi à le capter. Oui, c'est-à-dire le geste humain est arraché à toute autre forme de considération qui le dépasse, sociologique ou historique ou psychologique ou peu importe. C'est en lui-même qu'il est important. C'est en soi, oui. C'est pour ça que la question du temps, il se pose comme ça, indépendamment du futur, ça n'a rien à voir avec ce que le cinéma. C'est ça son problème, l'hystérie du cinéma, c'est d'aller vers tu vois le résultat, la fin. F-I-N, à la fin. Alors que là, c'est vraiment le moment présent qui, tout le temps, c'est un présent qui finit pas, quoi. C'est le présent, un présent humain qui ne finit pas. Et du coup, ça donne aux simples petits gestes, les plus banals, les plus ordinaires, voire les plus insignifiants, une force d'émotion incroyable, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui peut-être accentue ce phénomène de rite, c'est qu'elle répète souvent ses phrases. Oui. Remarquez, elle dit une phrase et elle la répète, et l'autre en face souvent aussi répète. Est-ce que c'était voulu ou c'est la répétition des phrases? Oui. C'est ça. Moi, ça m'a. Ça m'a beaucoup frappé ce rapport au temps, en fait. Ah oui, moi aussi. C'est parce que c'est tellement difficile depuis. On va pas philosopher là-dessus, hein, depuis Saint-Augustin, de sortir le présent, de l'arracher au passé et au futur, et d'en faire, tu vois, tout le temps, on est soit dans le passé, soit dans une espèce de futurisme, etc. Et là, t'as l'impression que c'est ça qui compte, quoi. Que c'est le moment. C'est vraiment l'instant présent. Les tenants, les aboutissants, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est d'une très grande poésie, enfin, la poésie, c'est ça. Oui, c'est proche, il parlait de peinture tout à l'heure, t'as vu, il parlait non, de... Non, mais c'est... la peinture, c'est, voilà, c'est... on va dire, porter ça, ce moment où on est, comme si chaque instant était un instant d'accomplissement entier et absolu de notre destin, de notre condition humaine ou condition du vivant, quoi. C'est le vivant concentré, à chaque instant, réactivé, renouvelé. Et donc, du coup, il n'y a pas toutes ces considérations qui expliquent. Il n'y a pas à expliquer. C'est ça. C'est pas du tout explicatif. Oui, oui. Ni. C'est une forme de méditation. C'est trop. Tout à fait. Oui. Et en fait, moi, je me pose, parce que tu parles quand je suis allé dans ton site, tu dis... l'inévitable départ, il y a eu l'inévitable départ, et ensuite tu es revenu, c'est comme si, en fait, ce cinéma, ce que tu fais là, en tant que cinéaste, est aussi une manière pour toi, justement, non pas d'arrêter le temps, c'est pas la question, mais de t'inscrire dans le présent, quoi, d'éviter de te dissoudre, de disparaître dans le passé, soit dans le futur, et d'avoir une plus grande présence aujourd'hui, quoi. Je crois que c'est ça que je vois. Tu parlais de autoportrait tout à l'heure, pas autobiographie, autoportrait. C'est-à-dire, c'est ça, je crois que je vois, moi. C'est-à-dire, voilà, s'accrocher au présent, pas le dilater, mais le travailler, alors que c'est une pente, c'est comme une falaise, le présent, c'est comme la montagne, quoi. Et s'arrêter là, tout le temps, on le sent tout le temps, ça. Et c'est très très rare, ça. Et c'est exactement le contraire du tourisme, du regard touristique. On est dans l'opposé exact d'un regard folklorique, touristique, colonial, passager, éphémère, décoratif, pittoresque, c'est tout le contraire de ça.
Après, c'est dans ces endroits, il y a aussi une forme de mystique, parce que c'est des endroits extrêmement qui ont été balayés par le vent depuis la nuit des temps. Des gens qui vivent, une population qui vit sur des sentiers qui sont parcourus depuis la nuit des temps, qui font des métiers qui se perpétuent depuis la nuit des temps. Et donc, on est dans un rapport séculaire, quoi, aux choses. On est dans les grands espaces, donc c'est ce que j'appelle du grand paysage, et les gens n'ont cessé dans ces endroits-là de nourrir le bétail, de tondre le bétail, de s'atteler à des activités pastorales extrêmement répétitives et de rester là et de nomadiser quand la vie n'était plus possible là. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une vie un peu la vie de nos ancêtres, qu'on imagine un peu comme des saints, parce qu'ils vivaient, ils vivaient de rien, quoi. Ils avaient rien, et donc du coup dans cette espèce de milieu essentiel, quoi, j'ai l'impression que on retrouve inconsciemment un espèce de, on se retrouve, quoi. Moi, je me rends compte là, dans une rencontre comme ça, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'oublie que je suis là, et une heure peut durer une journée, une semaine, un mois, je ne sais plus quel jour on est, tu perds totalement. C'est comme tu parlais d'autarcie, oui. Tu perds complètement la notion du temps et de l'espace. Et de la reste du pourquoi. Mais à un moment donné, elle a une phrase aussi en parlant de la garance, et elle dit, c'est l'homme qui a fait disparaître la garance. Dans un moment où elle parle avec notre fille. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une réalité, est-ce que, à cet endroit-là. Ouais, ça a été beaucoup utilisé, je pense. La garance, je crois que ça permettait de faire de la teinture. C'est ça, oui. Les pantalons garance. C'est rouge. Oui. C'est l'armée française. Oui. Exact. Les zouaves. Ça a dû être décimé, je ne sais pas, entre l'occasion. Et est-ce que c'est avec ça qu'ils teignaient eux, ou est-ce que ça a été commercialisé? Je ne sais pas très bien. Ouais, c'était une source. Enfin, ici, dans les campagnes, c'était une source de revenus, la garance. Hein, il y en avait beaucoup en Provence. Et donc, ils vendaient après, justement, pour les. Ceux qui faisaient les teintures, soit pour les robes, soit pour les tenues de l'armée, autre chose. Il y a une scène aussi. Une sorte de baromètre, enfin de calendrier, quoi. C'est-à-dire que il n'y a plus de garance depuis telle date, ou depuis. C'est un point de repère, en tout cas, temporel. Ouais. Pour elle. Mais pourquoi, Yvan, tu as dit la bergère? Pas la tisseuse, par exemple, alors qu'on la voit plus tisser que c'était. C'est pas un titre. Enfin, le titre, en fait, c'est trouvé le dernier jour de montage. Ah. Et le titre, pour moi, si j'avais dû donner un titre à ce film, il y en aurait pas, quoi. Oui. Parce que ça pouvait être aussi bien. C'est une chronique. C'est ça. Et donc, soit il fallait que je trouve un titre un peu narratif. Je ne saurais pas appeler ça chronique des années de Braise, parce que c'est pas ça, mais c'est des gens qui vivent au milieu de la Voie lactée. Donc, et par exemple, la Voie lactée, en berbère, on dit chemin de paille. On dit abrid noualim. Ah ouais, en arabe aussi. Et donc du coup, j'ai cherché un titre poétique, et finalement celui qui lui collait le mieux et qui rappelait pas ce métier, quoi, où
qui elle était. C'était la bergère et oui. Non pas bergère. Oui. Parce qu'elle a été bergère toute sa vie. Oui. Et puis moi je l'ai compris aussi parce que ça me plaît beaucoup. Parce que c'est vrai, comme c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire tu n'identifies pas le personnage à l'action qu'il fait, mais à ce qu'il est fondamentalement. Or elle, fondamentalement, c'est une bergère, elle garde tout. Enfin, c'est une femme qui garde tout le monde. Enfin, elle a toutes ses brebis. Enfin, tout le monde est presque. C'est, on la voit bien quand elle bouge dans l'espace. Elle a l'impression que tout ça est un troupeau. Et c'est vraiment, c'est une bergère, pas au sens anecdotique, encore une fois, du terme. C'est ça que j'ai trouvé très. Je me suis dit, mais comment il a pu dire, parce que quelqu'un d'autre, il aurait dit, oui, elle tisse plus, enfin, elle fait plus ça que vraiment derrière les. Même si, mais on ne sait pas si elle a été bergère avant. Mais je pense que ça lui va très bien, quoi. En fait, c'est comme si la métaphore, ce n'est pas un film qui métaphorise le monde, c'est comme si la métaphore, tout est à l'envers, en fait. C'est comme si l'idée, en fait, du monde, il faut vraiment, tout simplement, aller le chercher dans le monde. C'est vraiment en montrant ce que les gens sont qu'on va comprendre vraiment ce qu'ils sont essentiellement, quoi. C'est ça que je vois ça comme ça, moi. C'est-à-dire, je vois pas juste une vieille dame. Quand elle tisse, je vois pas une femme qui tisse. Quand elle fait des gestes, je vois pas une femme qui fait des gestes. Je vois autre chose qui me vient du regard qui est porté sur cette femme-là et qui est quelque chose d'absolument essentiel, quoi. Toi, tu dis parfois, tu dis sorcière, tu dis oui. Oui, c'était le fait qu'il fallait qu'il y ait un mot qui soit simple. C'est ça. Qui vienne de son langage à elle et qui soit. À la fois, oui. À l'image de son langage à elle, quoi. C'est un mot qu'elle emploie, donc. Oui. Et puis, c'est grâce au titre qu'on se dit qu'elle a dû être bergère. Et puis, au début, parce que moi, j'adore le début, quoi. Oui. Elle est là, il y a cette âne et tout, et puis on la voit de dos, et puis là, elle prend un caillou, elle le jette sur l'âne et tout. Elle est sortie. Oui. Voilà. On est vraiment aux antipodes, justement, du genre pastoral et de la bergère dans le genre pastoral. Oui. Toujours jeune, qui garde ses moutons, qui est gentille, si, ça, machin. Elle arrive avec quelque chose vraiment de rêche, de très complexe déjà, de pas sympa avec l'âme et tout, vraiment, et de sans concession, elle est sans concession. Et donc, du coup, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui tape, parce qu'on a envie de savoir mais qui est elle, quoi, vraiment. Et d'ailleurs, je sais pas, dis-moi, Yvan, quand elle essaie de porter ce manteau, qui en fait, qui lui va pas, il est trop petit. Un peignoir, je sais pas quoi. Il est trop petit pour elle. Et elle comprend pas. Enfin, elle comprend pas. Son cerveau, son fonctionnement psychique ne va pas avec ça. Avec le, tu vois, elle porte pas le vêtement qui doit lui aller. C'est elle qui le. C'est incroyable. Je sais pas comment tu as filmé à ce moment-là, comment tu l'as. Et puis sa fille qui lui dit mais. Tu sais pas, tu ne sais pas. Encore une fois, tout le temps, sa fille, elle est toujours un peu décalée par rapport à elle. Elle lui dit, tu ne sais pas le maître. Comme... Elle dit quelle mère tu es, puis après. Oui. Quelle mère. Elle parle d'elle à la troisième personne. Oui. C'est ça, oui. Et t'as l'impression qu'en fait, on est dans une. Pour moi, enfin, en tout cas, cette séquence. Et je crois que c'est la séquence qui lui succède, là où elle est devant le feu, il fait froid. C'est ça, oui. Et c'est le bateau qui prend l'eau, là. Elle a vraiment. Déjà, c'est des chaînes qui m'ont complètement. Ça a complètement échappé, mais j'ai l'impression que j'ai été témoin d'une scène de ménage entre la mère et la fille. Oui. Et qu'elle s'acharne à ce moment-là, la grand-mère. Elle ne veut pas écouter, elle est têtue. Elle a sa raison. Et à ce moment-là, on est tous les trois dans ce bateau qui Elle me fait, la fille me fait une espèce de, elle fait la didascalie, quoi. Elle commente l'action. Elle joue l'action. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, cette scène, ça fait partie des tunnels. C'est vraiment des tunnels à traduire. C'est extrêmement difficile. Déjà, pour donner le rapport des gens dans la relation de l'un à l'autre. Et dans leur rapport au monde, comment ils se situent et comment ils parlent d'eux, ça je trouve ça complètement fascinant. Mais quand même conscient qu'il y a quelqu'un. Mmh. Donc
ça que je trouve fort finalement, c'est que même si je me suis fait oublier, j'étais toujours là. Oui, oui, ça. Elle m'intègre assez souvent finalement. Quand elle dit que donne-lui. Donne du thé, donne du thé à ce monsieur. Il mange pas assez. C'est de toi qu'elle parle, il mange pas assez le matin. Non, ça c'est au tout début. Les gens ne mangent pas le matin, c'est ça? Oui. C'est oui, pas... Je pense qu'elle parle de nous. Ouais. Oui, elle a dit, mange pas, fais-leur à manger. Elle dit, donne-leur à manger. Ils mangent pas assez le matin. Oui, oui. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, elle s'occupe de nous. Est-ce que le soleil ne vous gêne pas? Oui, le soleil, oui. Asseyez-vous sur quelque chose. Asseyez-vous sur quelque chose. Voilà, oui. Ah, le... bah, oui, ouais, c'est une bergère, quoi. Et tout, les autres, c'est des brebis galeuses. Oui. Oui, oui. Non, mais écoutez, c'est tout ça. Bon, je pense que, je sais pas, on peut continuer hein, jusqu'au petit matin, mais je sais pas si vous avez encore quelque chose, quelqu'un a encore quelque chose très important. Oui, oui, il y a une scène où je me suis posé un peu la question, c'est la scène où il y a les deux jeunes, il y en a un, il y a les ânes apparemment qui sont éloignés, et oui, il y en a un qui joue de la musique et l'autre qui chante. La flûte. Et après, donc ils voient les ânes qui s'éloignent. Enfin, la scène est très belle, mais voilà, j'ai pas trop saisi le calage avec les autres scènes, quoi. Ça, c'est intéressant quand même. Et ils boivent de l'eau et ensuite ils montent dans les hauteurs en chantant, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Oui, oui. Parce que là, on voit le fils et l'autre, c'est un copain à lui, non? Oui. Ah, c'est deux bergers, en fait. C'est deux bergers qui montent dans les hauteurs. Oui. Et ça m'a échappé, encore une fois, parce que j'ai toujours été sensible au chant et j'ai souvent demandé aux gens de chanter ou s'ils avaient des chants comme ça, et alors ça vient jamais au moment où je m'y attends. C'est-à-dire que la mise en scène arrive toujours en décalé. Et généralement, c'est pas que je ne suis pas prêt, c'est que je me suis aperçu qu'il chantait, mais en plus, il monte un chemin escarpé, et il monte en parallèle, mais relativement loin l'un de l'autre. Oui. Et une espèce de zigzag, c'est très très beau. Oui, oui. Et alors ça, c'est en chantant. C'est mythologique, ça. C'est presque Orphée, là. Oui, et en chantant. Les jeunes, c'est des ados, hein. Ils ont 17 ans maximum, hein. Oui. Donc, ça, c'est des choses qui font partie comme pas mal de petites choses comme ça dans mes films où j'ai dit aux gens. Et ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'il y a un moment donné, les choses, elles arrivent comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi, mais en fait, j'ai plus qu'à appuyer. D'accord. Si je les avais mis dans le cadre, et puis j'avais appuyé, mais en fait, ça fait quand même 3 semaines qu'on parle, ou 2 mois et demi, que je les bassine avec mes histoires, et qu'ils me comprennent sans me comprendre, mais ils me comprennent quand même, et puis tout d'un coup, les choses apparaissent. Ouais. Ça va faire un peu partie des cadeaux qui appartiennent pas, qui sont pas de la mise en scène, mais qui sont voilà, une espèce de, oui, des moments de grâce comme ça. Oui, on n'a pas parlé, mais on va pas parler maintenant de ça parce qu'il y a plein de choses à dire. Moi, il y a quelque chose d'autre qui m'a beaucoup impressionné, c'est les dialogues, les gens, qu'est-ce qu'ils disent et comment c'est dit. Et alors, un moment magique, quand elle dit, quand je me tais, je suis, comment dire, quand je parle, je suis comme un mur qui s'effondre, comme je, c'est, non, hein? Oui. C'est extraordinaire, ça. Quand je parle, je suis comme un mur qui s'effondre, et quand je comment? Quand je trouve à qui parler, je suis comme un mur qui s'écroule. Oui. Et quand je me tais, je sais pas quoi. C'est incroyable, il y a des, et on a l'impression, alors, parce que tu as un interprète, en fait, avec toi. Toi tu les comprends quand ils parlent ou tu comprends à moitié? Sur ce tournage, je n'ai pas compris grand-chose. Des fois, je comprenais tout. Oui. Et des fois, je ne comprenais rien. Et justement, alors moi, ça m'a fait un drôle d'effet, parce que nous, on voit beaucoup de films en version originale.
sous-titré, et j'ai encore une fois là l'impression que moi, mais comme toi, en te suivant, tu écoutes quelque chose qui manifestement est extrêmement important, en tout cas, qui est dit sur un ton, enfin, il y a des récits, etc., qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'on sent beaucoup. Et on sent ce qu'ils, on sent ce qu'ils disent, quoi. Moi, je me dis, mais c'est pas comme s'il avait une fascination aussi pour cette langue, et qu'il n'aurait pas besoin pour être dissipé de la connaître. Voilà ce que je veux dire. Oui. Alors, c'est le truc le plus difficile dans ce monde-là, c'est de pouvoir filmer un salam alaikum. Mm. Et de pouvoir filmer un au revoir. Parce que généralement, tu as une caméra dans la main, tu es dans un foyer, les gens ils te saluent. Donc moi, je suis avec ma caméra, je suis obligé de couper généralement. Oui, c'est ça. Oui. Je suis pudique, donc j'ose pas, ou alors ça ne se fait pas, donc je coupe. Et donc finalement, les bonjours et les au revoir sont des choses qui m'ont beaucoup... j'en avais marre d'avoir raté autant de bonjour et autant de au revoir. Ben écoute, là-dessus, parce que par gentillesse, respect, je coupais la caméra pour dire bonjour et au revoir. On va finir par y arriver de toute façon, Yvan. Là, on est bien obligé, hein. On est bien obligé. Écoute, c'était vraiment extraordinaire, comme on aurait aimé continuer. Autre jour, hein, Tara. Comment? Dans le noir, là, ouais. Je suis dans le noir. Attends. Ton prochain film. Parce que celle que je vois le mieux là, qui trône. Écoute, voilà. Merci beaucoup, infiniment, de ce moment extraordinaire. Parce que ça, c'est le genre de film, effectivement, je sais pas, c'est quand il y a des choses comme ça qui sont dans la vie qu'on voit, qu'on rencontre, on sent que c'est trop, comme on dit en bon français, et c'est après en discutant en bonne intelligence avec les gens qui te comprennent qu'on mesure la valeur de ces choses-là, et c'est comme ce que tu vois toi, c'est inépuisable, et on aurait aimé que le présent ne soit pas comme ça pris dans en étau entre le passé et le futur, et que ça continue éternellement. Ben écoute, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir, sûrement, de continuer cette belle conversation. Merci à Hej beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je sais qu'elle aime beaucoup ce que Elle en parle bien, même quand elle ne parle pas beaucoup. Samedi soir, un film une course-poursuite d'automobile, un film américain des années 70, et ton film, c'est l'antithèse parfaite. Un film américain. J'étais ravi de voir ça aujourd'hui. Voilà, merci Anne, merci Philippe, merci Insaf, merci Christian, merci Anita, merci tout le monde. Insaf, j'espère qu'on se voit bientôt, hein. Et oui. Merci Anne, merci tout le monde. Merci à tout le monde. Et ça, c'est, on peut pas finir plus en beauté parce que là, c'est notre dernier ciné-club de l'année, hein. Wow. Voilà. Bon, je suis très honoré, alors. Non, c'est nous qui le sommes. Allez. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Bisous à tous. Ciao. 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 Merci.